À 14-15 ans, quelqu'un m'a demandé « Tu veux apprendre le lion Hakka ?» D'un hochement de la tête, son destin s'est lié au lion Hakka. Lorsque le maître Liu Wenchen danse, le lion prend vie. Pour la nouvelle génération, il ne cache rien, il dévoile même le contenu de la tête. À l'intérieur, tout est en papier mâché. Tu vois, il n'y a que du papier Kraft. Regarde, que du papier mâché. Le plus lourd, c'est ça ? Oui. Avec une tête de près de 30 kilos, on dirait qu'il n'a aucun mal. Le responsable de la tête doit en même temps actionner la bouche d'une main et de l'autre porter la tête, mettant à l'épreuve les bases martiales du danseur. Avant, j'étais très mince. Quand j'avais 31-32 ans, j'étais comme ça. En revisitant les vieilles photos, on voit l'énergie du jeune maître qui, à l'époque, emmenait la troupe des danseurs du lion partout pour des compétitions, lui permettant en même temps de s'entraîner et de promouvoir la culture Hakka, pas seulement à Taïwan, mais aussi en Russie, en Thaïlande ou encore à Singapour. Si on pratique les arts martiaux, les bras sont forts. Sans ça, comment peut-on avoir assez de force? On n'est même pas capable de lever la tête. Enfant, il a non seulement étudié les arts martiaux, mais aussi appris toutes les techniques de fabrication du lion Hakka. Mais le lion Hakka n'étant plus aussi populaire, ses traditions ont commencé à disparaître. Des lions de canton, on en voit partout. Mais nos lions Hakka sont un peu comme la culture Hakka. Il y a un sentiment fort de déclin. À Taoyuan, on ne voit plus les lions Hakka. On ne voit plus la boxe Hakka non plus. L'apparence du lion Hakka est somme toute différente des lions ou licornes du sud traditionnel. Il faut superposer des feuilles de papier journal avec des compresses en les collant une à une pour rendre le tout très solide. Avec cette compresse, ça ne percera pas. Le papier journal, ça se déchire, n'est-ce pas? En le sortant du moule, on voit le papier journal à l'intérieur. Après l'avoir sorti, il faut encore clouer cette planche en bois. Les étapes de fabrication sont complexes. Pour une tête, il ne faut pas moins d'un mois pour la terminer. Mais Liu Wenchen ne s'en lasse jamais à plus de 70 ans. Cela fait plus de 50 ans qu'il en confectionne. Je ne vais pas emporter mon amertume dans la tombe. Mais il est vrai que les choses ne se transmettent plus. C'est dommage. Après tous ses efforts de transmission, il n'a pas envie d'avoir de regrets. Et avec son esprit martial, il se battra jusqu'à la fin de sa vie.